Coucou les amis, hoy mi amigo Boaz et yo les vamos a enseñar algunos nombres en francés. Coucou les amis, aujourd'hui moi et mon ami Maggie avons décidé de faire une petite vidéo afin de vous enseigner quelques prénoms en français. Hace un tiempo hicimos unos TikToks sobre esto y en los comentarios nos pidieron como que encontráramos los equivalentes de sus nombres. Il y a quelques temps, nous avons fait quelques TikToks à ce sujet. Il y a eu beaucoup de personnes dans les commentaires qui nous ont demandé de trouver l'équivalent de leur prénom en français. Et donc, ce sera le sujet de cette vidéo. Antes de empezar, hay que aclarar que lo que les vamos a enseñar son equivalentes, no traducciones. Los nombres no se traducen. Avant de commencer, vous devez savoir que ici, nous allons parler que des équivalences. Il ne s'agit en aucun cas de la traduction au sens propre. Thomas. Thomas. Marie. Maria. Charles. Carlos. Alice. Alicia. Pierre. Pedro. Monique. Monica. Guillaume. Guillermo. Daniel. Daniela. Louis. Luis. Pablo. Paul. Cecilia. Cécile. Andrés. André. Carolina. Caroline. Juan. Jean. Camila. Camille. Antonio. Antoine. Diana. Diane. Enrique. Henri. Natalia. Nathalie. Ok, donc on va commencer avec la boîte, avec les prénoms des commentaires. Nos dejaron algunos nombres en los comentarios de de nuestros otros videos y los puse en esta caja y pues los vamos a leer. Alors, c'est parti. Donc, c'est parti. Le premier prénom est Karen. Karen en español. En español se dice Karen. Karen. En français, Karen. On dit Karen. 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 Karen, avec la prononciation en français, Karen. Oui, Karen. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est juste la prononciation qui change, mais c'est la même chose. Paulina. 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 En français, on dit Pauline. Pauline. c'est complètement différent. C'est raro. Oui, oui. C'est très bizarre. Pauline. Parce qu'on a A, U, Paou. Et donc, on dit O. Ah, sí, es el diptongo AU es O en francés. Entonces, en lugar de AU es O. Oui, voilà. Paul, Pauline. Le suivant. Oui. Paola. 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 Oui. Paola, on dit Paola. Paola. oui. oui, Paola. Ou alors, la différence oui. se trouve dans l'intonation. Dans la prononciation, oui, oui, oui. L'intonation, mais en fait, le mot Paola, ça vient de Paul. Paul, il y a pas beaucoup de filles en France ou en Belgique qui s'appellent Paul, mais c'est Paul avec un E à la fin, Paul. Ok. C'est ça l'origine, mais on a eu beaucoup d'influence hispanophone, et donc on dit Paola tout simplement... Paola, avec la prononciation un peu française. Le suivant, el que sigue, Isabel. 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 Nous, on dit Isabelle. Isabelle. Belle. Isabelle, avec un Z. Comme le mot belle, bonita, hermosa. Oui, belle. Comme bonita. Oui, Isabelle. Isabelle. oui. C'est pas si compliqué. Ouais, comment Isabelle, tu es belle. Comme ça. Isa, oui, belle. Oui. Isa qui est belle. Isa, oui, voilà, Isa qui est belle. Pour retenir, voilà, tu dis Isa est belle. Comme est ça, belle, voilà. Ok, j'avais pas pensé à ça. Fernanda. 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 Fernanda, ouais. En espagnol, en français, on dit Fernanda. 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 Nanda. Voilà, très bien. Voilà du premier. C'est la même chose qu'avec Paola. Fernanda,
Paola. Oui, Paola, Fernanda. Les prénoms français, en fait, c'est comme une chanson. Na, na, na. Jessica, Paola, Fernanda, etc. C'est Guimos. Seguimos. Seguimos, merci. T'inquiète pas. Seguimos. Le suivant. Ok. Cha-cha-cha-chan. Cha-cha-cha-chan. Adriana. Adriana. Adriana, on peut aussi, ça peut changer. Il y a des personnes qui s'appellent Adriana, on prononce avec l'intonation française Adriana. Adriana. Et, ou on peut dire aussi Adriane. Adriane aussi. Adrien. Adriane, oui, Adriane avec un E à la fin. Ou Entonces, Adriana. hay dos maneras de decirlo, como con la pronunciación francesa que se queda igual, Adriana, y la otra que es Sí. Adrián. Adriane, sí. Ok. Sí. Pero depende de la persona. Hay algunas personas que se llaman Adriana y otras personas que se llaman Adriane. Solo depende de la persona. Sí. Mario, Mario. Mario. On dit Mario. Mario. Entonces C'est très es bizarre. Mario y Mario. Mario. Okay. Gabriela. Gabriela. C'est la même Oui, chose. c'est la même chose. Gabriela, Gabriela, comme ça? Oui, Gabriela. Mais on dit, on roule le Ouais, R. Gabriela. Gabriela. Est-il possible de dire Gabriel? Oh, c'est seulement pour les hommes. Gabriel, c'est pour les hommes. Généralement, c'est pour les hommes. Mais avec double Je n'ai jamais. L et E à la fin? Oui, ça peut exister. Il y a des personnes qui s'appellent Gabriel comme ça, mais c'est très, très rare. Rare. C'est D'accord. très rare, oui. Siguiente. Rodolfo. Rodolfo, c'est un petit peu Rodolfo. difficile. Comment? Ah, alors, Rodolfo, Ajá. on peut dire Rodolphe avec un E, ou simplement Rodolfo comme en espagnol. Ça aussi, ça dépend. Oui. Donc, Ah. Rodolphe, comme ça, Rodolphe. Rodolphe avec PHE à Ajá. la Papapapa. Joanna. Joanna. Johanna. Il n'y a pas d'autre appellation de Johanna, ça reste Johanna, quoi. Ce n'est pas Joanne, non, il n'y a pas. Siguiente, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Jennifer, Alejandra, Alejandra. Alors, ça, c'est très différent. Mais essaye de le prononcer en espagnol, Oui. premièrement. Alejandra. Parfait. Alejandra. Merci. Alors, en français, on dit Alexandra. Alexandra. Daphné. Daphné. C'est la même chose. Ça, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Daphné, Daphné. Es Daphné. casi igual. En español decimos Daphné. Y en francés es Daphné, Daphné. Daphné. Y se escribe con la acento. Daphné. Ah, con acento L'acento. al final, cierto. Oui. Daphné. Y también, o sea, no es con F, es con PH, ¿no? Y con PH, I, N, y la E así. Ok, on va presque finir avec le Oui. bon nombre de commentaires. Alondra. 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 Alondra, oui. Sofía. Sofía. Sofía, Sofía. Sofía ou Sophie avec Sophie. Je connaissais oui. Sophie. Le prénom Sophie comme ça. En fait, je pensais que tu Ah. allais dire ce mot Sophie. Je ne savais pas
ça existait comme Sophia. Ah oui, il y a aussi ça. On peut dire soit c'est deux noms différents, mais voilà. Sophia et Sophie. Mais on dit les deux, on peut dire Sophia, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui s'appellent vraiment, vraiment Sophia et des personnes qui s'appellent vraiment, vraiment Sophie. Mais pour la prononciation, vraiment, c'est Sophia et Sophie. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.